Les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Alors, comme d'habitude, je vous le redis, c'est une guidance qui est générale. Soit on prend toute la guidance entièrement si cela te parle, si cela te correspond, soit par petit message. Et puis finalement, si rien ne te parle, eh ben, sache prendre du recul sur ta propre situation. D'accord? Allez, pour ce faire, nous allons prendre l'oracle des bénédictions celtiques. C'est de Lucy Cavendish. Et puis, nous allons prendre aussi l'oracle des rebelles sacrés de Alana Fairchild. Que j'adore, c'était un de mes tout premiers. On a deux. Allez, on va peut-être mettre un petit bol de tibétain pour purifier correctement les énergies. Voilà. Merci encore, hein, vraiment infiniment pour tous vos messages d'amour. Merci, merci énormément, les amis. Je ne sais pas si on voit bien ou pas. Merci infiniment, vraiment, de toute beauté. Franchement, je vois l'amour que vous m'apportez dans ces messages très, très beaux et précieux et que je garde. Voilà. Allez, s'il vous plaît, mes guides d'amour, ou y a-t-il des messages clairs, précis, justes pour toutes les personnes à laquelle cette guidance leur parlera, s'il vous plaît. Alors ici, on nous parle de du chiffre 14, on nous parle de au-delà de ce qui est normal. Hein. Alors, il y en a pour certains, certaines, vous êtes dans des énergies du impossible ou anormal, d'accord? Or, qu'on vous dit... Avec le temps, autant, vous allez vous apercevoir que si, c'est parfait. C'est parfait. Le parfait est en tout temps et il faut y croire. Pourquoi? Parce que même s'il y a des choses qui vous paraissent anormales ou impossibles, on vous dit que ce sont que des croyances limitantes. Il y a quelque chose qui va s'éclairer, une situation ou quelqu'un autour de vous qui va... éclairer sa vision ou sa propre situation. On nous parle ici encore une notion de temps, mais en tous les cas, on voit qu'il y a une forme de roue qui va tourner et en soi dans le bon sens pour toi. Allez, s'il vous plaît. Merci. Yeah, on adore de toute beauté le pouvoir de l'attraction. Le pouvoir de l'attraction. Regardez ici, là. Il y a bien une autre personne dans tes pensées à laquelle tu penses en regardant... Attendez, excusez-moi. Matou, tu fais quoi, mon amour? Je descends. Tu descends en bas? Je tourne là. Dehors, tout seul en bas. Pourquoi? Le père m'a assez énervé. Ah, bon. Et tu fermes la porte après, mon amoun? S'il te plaît. Merci, mon cœur. Et donc, je vous disais ici, effectivement, même si pour le moment, vous pensez que c'est anormal, que c'est impossible, qu'il y a quelque chose, vous devenez complètement fou ou folle, c'est ce que j'entends là maintenant de suite en canalisation, parce que je ressens ici, il y a pour beaucoup, vous avez des désirs de plus en plus forts, de plus en plus pesantes, on me dit, et de plus en plus présente. Pardon, je vais y arriver. Avec, en l'occurrence, avec quelqu'un à laquelle vous pensez. Pourquoi? Parce que, simplement, il y a une attraction ici. Il y a une attraction. C'est-à-dire que vous vous attirez l'un à l'autre, psychologiquement parlant, ou au niveau télépathie. Ici, il y a quelque chose que, non seulement vous-même, vous allez émaner de la lumière, et votre autre, en l'occurrence, pareil. C'est-à-dire que chez votre autre, il lui manque une partie de quelque chose, et c'est pour ça qu'il y a peut-être des formes de tristesse ou d'envie de plus en plus accentuées, et de même pour vous, les amis, d'accord? En tous les cas, ici, c'est votre partenaire. Il y a quelque chose de très, très fort. Nous allons oser nous regarder droit dans les yeux. Nous allons oser dire tous nos désirs pour être ensemble. Nous allons oser dire ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. On va oser dire depuis tant et tant de temps que je pense à toi. C'est ce qu'on me dit ici en canal. Magnifique, de toute beauté. On adore. Ah, j'avais pas vu, merci. Eh oui, carte 13 et carte 14. Hein, à qui ça pourra parler? Peut-être, alors on me dit ici l'heure 14h14 ou l'heure 13h13 ou tout simplement
Une personne, même si chez vous, ça ne fait pas heure miroir, pardon. Ici, il y en a peut-être pour beaucoup. Vous voyez tout simplement l'heure 14-13 ou l'heure 13h14, tout simplement. N'allez pas chercher midi à 14h, c'est ce qu'on vous dit ici, là, maintenant. Allez, s'il vous plaît, y a-t-il d'autres messages clairs, précis, juste, plus? Ici, on vous dit, mais j'adore, on aime ça. Carte 22, elle sent, elle sait. Elle, alors l'image, attention, l'image est très très forte, mais en soi, pour moi, ça n'a rien à voir ici. Hein. Quand on vous dit « elle sent, elle sait », ça veut dire que votre autre vous sent, vous ressent, sent qu'elle est connectée à toi, qu'il y a quelque chose à faire, il y a une porte à ouvrir. C'est de plus en plus intense vis-à-vis de toi, consultant, consultante, à qui ça te parlera, bien entendu, puisque je le rappelle, c'est une guidance qui reste quand même générale. D'accord? En tous les cas, c'est une personne qui a peut-être été auparavant ou vous-même dans une forme de contrôle, mais on te dit qu'ici, le contrôle va vraiment faire partie du passé. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui en a ras le bol d'être dans une forme d'incertitude, on me dit. De choses comme on me montre une impasse, vous voyez? Une impasse. Et c'est une personne qui en a marre des suspicions. C'est-à-dire qu'on m'explique, c'est une personne qui en a marre. Ben lundi, il est sûr ou elle est sûre de lui au niveau des sentiments, des ressentis, c'est pas normal, faut que j'aille voir la personne et tout. Et puis, 3-4 jours après, c'est une personne qui redescend sur terre et qui se dit justement, non, non, tu n'es pas normal, tout cela que tu espères, cela est impossible. Or que c'est faux, tout est possible dans la vie, tout est possible. Et là, en l'occurrence, vous êtes connectés. L'un envers l'autre. Mais il y a quelque chose, je vous dis, avec la lumière qui va se clarifier. Votre situation va être clarifiée. Votre autre va venir à toi pour clarifier ses ressentis. Et peut-être toi aussi, tu vas clarifier tes propres ressentis. On vous le redit, les amis. Vas-y. On vous le redit, les amis. Sachez que vous toutes et tous, vous êtes bien plus libres que vous ne le pensez. Ne vous formatez pas avec la société telle qu'il nous la montre, d'accord? Attention, les énergies prochaines, surtout pour le septembre, octobre, on me dit très, très fort. C'est du lourd qui va arriver via notre goût plus loin. Je dirais pas au milieu, mais ne ment, d'accord? Voilà, pour ceux et celles qui comprendront. C'est du lourd, du lourd. Attention, on nous ment. Attention à ce qu'on peut entendre et voir. Faites-vous vos propres ressentis. Et là, ils vous diront toujours la vérité. Le cœur et votre âme diront toujours la vérité. D'accord? Dans n'importe quelle situation, quelle qu'elle soit. Soyez confiants, confiantes. D'accord? C'était une petite aparté, ça, hein, je trouve. Allez, s'il vous plaît, les guides d'amour. Merci. En tous les cas, ça parle. Hein, on adore. Ici, on vous dit carte 44. On adore les maîtres nombres 22 et 44. Et 2 fois 22, 44, hein, les amis. Alors, pour ceux et celles qui voient souvent le chiffre 2, le chiffre 4 ou le chiffre 22 ou le chiffre 44, on me dit là maintenant de suite. On vous dit, il y a une vision de la vie au-delà de la mort. Qu'est-ce que ça veut vous dire tout ça? Simplement, il est fort possible que quand vous avez été réincarné sur cette terre-ci, tout simplement, votre passage sur cette vie terrestre, c'est simplement de voir le bien au bien et aussi retrouver cette personne. C'est ce qu'on me dit là maintenant de suite. Il y a peut-être possibilité que vous n'avez pas toujours la compréhension ou la vision des choses telles qu'elles sont, mais cela va s'arranger avec clarté, d'accord? Avec clarification, on me dit, soit pour votre autre, vous-même, ou les deux, d'accord? On nous dit ici, avec la chouette, c'est quelque chose qui est quand même encore secret, et qui sera encore secret, même s'il y a des choses qui vont se mettre en place avec lui et toi, ou elle et toi, d'accord? Selon quel sexe que tu es attiré, on est bien d'accord, tout est permis sur ma chaîne. Du coup, on vous dit ici, écoutez vos ressentis. Pourquoi? Ici, il y a une forme de clairvoyance.
On ferme les yeux, on met un bandeau et on essaie d'écouter son cœur et son âme, de ce qu'elle va nous dicter. D'accord? Pour certains, certaines qui sont vraiment dans un éveil spirituel assez élevé, il est fort possible d'écouter. On vous dit ici, on a pour certains, certaines, effectivement, la vision de la vie au-delà de la mort, c'est que tout simplement, vous êtes conscient, consciente que avant la vie, vous existiez donc votre âme dans différentes dimensions et ensuite après la mort, effectivement, votre corps hein, est mort, mais par contre, votre âme est toujours vivante, hein, c'est éternel et qui va aussi à nouveau dans différentes dimensions. Oh, excusez-moi. Je ne sais pas. Bon, réponds pas, excusez-moi. Je ne sais pas comment on fait, voilà. Je vais baisser après, je suis désolée les amis, je suis désolée, je ne sais pas du tout, il n'y a pas de nom, il n'y a rien, et voilà, et j'ai oublié de baisser. Alors, hop, on va baisser, je suis vraiment désolée les amis, c'est la première fois, hop, voilà. Alors voilà, hein, tout simplement, après on me dit, il est fort possible que vous soyez fan de fleurs de pan aussi, vous savez, l'œil de pan. Voilà, comme celle-ci. J'adore. Moi, je suis attirée par ça aussi. C'est une dinguerie. Je suis attirée. On vous dit ici, faites-vous confiance aussi à vos propres ressentis. D'accord? Il y a une notion ici. Il y a eu encore des changements qui vont se faire de la nouvelle lune à la future prochaine pleine lune. D'accord? On vous dit, il y a aussi la forme de corbeau. Le corbeau, ne croyez pas, c'est tout ce qui requiert au cancan, etc. Non, non, non. Le corbeau, ça fait partie aussi de l'animal, l'oiseau, d'accord? C'est un oiseau en soi et ça fait partie des messages. Alors, c'est peut-être des messages pendant vos rêves, des messages que vous allez recevoir sur, là, en l'occurrence, voilà, téléphone qui sonne, hein, peut-être aussi, et messages texto, d'accord? Ou par lettre. En tous les cas, il y a bien des nouvelles ou un message. Allez, s'il vous plaît, y a-t-il d'autres messages clairs, précis, juste pour toutes les personnes à laquelle cette guidance leur parlera plus. Il y a un alignement, hein, un équilibre qui va être retrouvé. Ici, on vous dit, regardez, carte 11, plongez vers la lumière. Oui, plongez vers la lumière, plus vous allez aller de l'avant, plus vous allez avoir la foi, plus vous allez avoir la positivité et plus vous allez aller vers votre lumière. La lumière, amour, amour, lumière, hein, d'accord? On nous parle ici d'hippocampe, je ne sais pas si vous voyez les deux hippocampes qui sont ici pour l'instant, qui sont dos à dos, mais regardez, au final, ils vont se retrouver ensemble, collés côte à côte, pardon, pourquoi? Parce qu'ils vont faire plus qu'un, et un, c'est ensemble, vous allez faire unité, d'accord? Après, il est fort possible que vous soyez signe zodiaque, poisson, ascendant poisson ou lunaire, en tous les cas, il y en a pour certains, certaines aussi, vous aimez tout ce qui est perles, vous aimez aussi tout ce qui est blé, il y a de l'abondance qui arrive, d'accord, tout va s'éclairer, il y a une forme d'abondance qui arrive et on me dit aussi, n'hésitez pas à bien porter du vert, qui est une forme de protection. Pensez à bien respirer et pourquoi pas faire des méditations pour ceux et celles qui se sentent un petit peu fatigués, désorientés, on me dit. D'accord? Merci. Ouais, j'adore une dinguerie. Oh, merci. Bellissima, on adore. Regardez, excusez-moi, j'ai même pas lu la carte 37. Concentrez-vous sur la lumière. Qu'est-ce que je venais de vous dire? Oui, la lumière attire la lumière, le positif attire le positif, mais la lumière c'est quoi? C'est l'amour et l'amour c'est la lumière. Vous avez votre lumière qui s'expande de plus en plus et vous attirez forcément les gens à vous, mais qu'on se le dise les amis. Vous attirez les gens à vous, dont, à l'occurrence, votre autre. On est d'accord sur ce sujet, mais pas que. C'est-à-dire, vous pouvez aussi attirer des gens malveillants parce que la lumière attire tout le monde, d'accord? Que ça soit
du bon comme du moins bon. D'accord? Donc, protégez-vous, sachez vous protéger correctement. Attention, ne vous précipitez pas trop de ce qu'on pourrait vous dire. Les cancans, les médisances, aussi le corbeau. Hein? Le corbeau, tout le monde dit, ouais, le corbeau, attention au corbeau, c'est un méchant, on me dit. C'est un oiseau qui n'est pas beau, c'est signe de mort. Bah, 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 bah. Que des foutaises. Non, 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 je dis non. Le corbeau, croyez-le bien, ça fait partie de l'animal, l'oiseau. Il est beau, il est noir et il est porteur de nouvelles ou de messages. Point, ça s'arrête là. D'accord? Croyez en votre lumière, croyez en vous, aimez-vous, bonté divine. Vous allez émaner de très, très belles choses. N'hésitez pas à aller vous promener, vous ressoucer. Ressourcer, on va y arriver. N'hésitez pas à aller vous ressourcer en forêt et buvez de l'eau, les amis. Non seulement il fait très, très chaud, mais non seulement il faut que vous buviez beaucoup d'eau pour ne pas avoir mal aussi à l'aide pour certains et certaines à la tête. Ici, nous avons la carte 20, la sagesse féminine. Oui, j'entends pour certains, certaines, vous avez acquéri une forme de sagesse à l'intérieur comme à l'extérieur de vous. Vous avez compris, pour se respecter, il faut aussi parler, il faut aussi s'exprimer. Qu'on soit ou pas d'accord, vous avez le droit et vous avez justement le mérite de vous respecter. Ici, il y a peut-être eu des émotions assez fortes. Il y a des choses, il y en a pour certaines, vous avez des intuitions très très fortes ou fortes. On a peut-être eu des entourloupes et il y a eu des émotions assez fortes de tristesse et déçue, on va dire. Allez, dos de deck. Comme moi, je lis, à l'occurrence, il n'y a pas longtemps. Voilà. Non, mais c'est fou, les gens. Les gens, il faut savoir que c'est malheureux, mais je ne sais pas si c'est les énergies du moment ou quoi qu'est-ce, mais il y en a pour certaines deviennent de plus en plus méchants, méchantes. On aimerait les aider, mais le problème, il reste ancré comme ça dans une boîte telle nanana. Il y a soit ceux-là, ou alors il y en a d'autres. C'est triste, mais il n'y a pas de savoir-vivre, il n'y a pas de savoir-vivre, il n'y a pas de partage, de solidarité, de compréhension, de comprendre l'autre, de ce qu'il ressent dans certains passages de la vie. Hein. Le jugement est tellement facile, le jugement. Jugement. C'est facile, mais s'il vous plaît, les amis, n'allez pas dans des formes de médisance, de critique gratuite, tant que vous ne savez pas vraiment le fond des choses. C'est important. Ici, on vous dit carte 36 en dos de deck, écoutez la vérité. Écoutez la vérité. Et en écoutant la vérité, vous allez réussir à vous respecter, à vous aimer et à éclairer ce que vous ressentez depuis un certain temps. Ici, on nous parle de coquillages. Hein. Pour certaines, vous aimez les coquillages. Pardon, nous reparle ici qu'il y a une roue qui va tourner dans le bon sens pour vous, à qui ça parlera. Il y a une vérité qui vient avec vous. Hein. Je vous avais dit avec le corbeau, une nouvelle, un message. Il y a une vérité qui vient avec vous où on va vous annoncer une vérité. Voilà, tout simplement. Mais s'il vous plaît, restez dans une forme de sagesse. Alors, on ne peut pas être toutes et tous d'accord. On est, je le comprends. Mais dites-vous que de toute façon, tout est juste dans la vie. Tout est juste. Même s'il y a des belles choses comme des choses moins belles ou des personnes qui sont moins belles que d'autres, tout est juste. Et il faut tout simplement faire confiance à là-haut, l'univers. C'est-à-dire que quand il y a des choses qui ont été mal faites, et parce qu'il y en a certains qui se voilent la face, on est bien d'accord. Pas d'inquiétude, tout est juste. Vous ne vous en occupez pas, là-haut, ils s'en occuperont. D'accord? Donc, tout ce qui requiert aussi aux médisances, aux critiques, aux jalousies, parce que j'entends aussi votre autre qui est peut-être aussi très jalousée, où il y a aussi des formes de jugements qui sont infondés, on me dit en canal. Hein. Donc, ne surtout pas y prendre attention, on dit. D'accord?
Sachez que l'intention, le pouvoir de l'intention, que ça soit psyché ou pensée ou verbal, tout simplement a des pouvoirs magiques. Donc attention à ce qu'on peut désirer et à ce qu'on peut dire. D'accord? Toujours dans la bienveillance et dans l'amour. Le reste, c'est là-haut qui s'en charge. Que ça soit du bon ou du pas bon, c'est pas à vous de vous en occuper. D'accord? Il y a des médisances, vous laissez de côté. Il y a des choses qui ont été mal faites, vous laissez de côté. Vous inquiétez pas. Occupez-vous, vous, plutôt, de votre autre, du lien que vous avez et projectez-vous. D'accord, les amis? En tous les cas, les amis... Oh, regardez, on me montre ça. Bon, ben, je vous le montre. On me dit... Pour certains, certaines, tel un guerrier, une guerrière, vous avez la force, vous êtes des belles personnes. Moi, je le prends pour moi. C'est ce qu'on me dit. Humble, correcte, droite. Alors, c'est sûr, hein, des fois, on est peut-être un peu trop droit ou droite, mais en tous les cas, au moins, on n'a rien à se reprocher ensuite. Tel un guerrier, une guerrière, et regardez ici avec le bébé licorne, magnifique de toute beauté. Bon, il est marron, d'habitude j'en ai vu que des blanches, mais là, voilà, original. On nous parle de liste pour ceux et celles aussi à qui ça parlera, mais pas d'inquiétude. Vous allez prendre de la hauteur, il y a des belles choses qui arrivent vers vous, dont l'abondance. D'accord? N'hésitez pas, s'il vous plaît, les amis, de liker, partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire, si le cœur t'en dit, bien évidemment, rien n'est obligé sur ma chaîne. Allez, zou. S'il vous plaît, mes guides, pourrait-on avoir d'autres messages clairs, précis, justes, et pour aller en correspondance, concordance, avec l'oracle des rebelles sacrés, plus, celle-là voulait venir. Alors, ici... On nous dit carte 3, bénédiction du feu. Le feu, c'est l'amour, la passion, l'action et on ose. Ici, on nous parle, il y a peut-être aussi un chakra racine qui est bien ancré dans la matière, d'accord? Et qui a le feu. Vous avez le feu pour votre autre et votre autre a le feu pour toi. On me parle beaucoup au niveau chakra racine et au chakra sacré, d'accord? Tout ce qui est aussi sexualité, désir, passion, envie, hein. S'il vous plaît, y a-t-il d'autres messages? Merci. Ici, on nous parle de la carte 12. On nous parle de la bénédiction pour une mère. Une bénédiction pour une mère, une maman. D'accord? Donc, c'est soit pour toi si tu es mère, ou alors pour ta propre mère, ou la mère de ton autre à l'occurrence. D'accord? Ici, on nous dit, soyez bien confiant, confiante, tout arrive à point nommé. N'hésitez pas aussi de vous ressourcer, je vous l'avais dit il y a un instant, en forêt même, c'est important. Connectez-vous à la forêt, recevez les messages que vous avez ou qu'on va du moins vous faire passer. Alors, soit avec les arbres, les fleurs, les animaux, différents insectes, d'accord? Y a-t-il d'autres messages clairs, précis, justes au niveau... Bénédiction, s'il vous plaît, pour toutes les personnes à qui cette guidance leur parlera. Magnifique, de toute beauté. De toute beauté. Et regardez, il n'y a pas. On nous reparle de corbeau ici. On nous reparle de corbeau. Vous voyez, les synchronicités, les amis, c'est très important d'être à l'écoute des synchronicités, des messages. D'accord? Ici, on vous dit carte 34. Bénédiction pour un nouveau départ. Vous voyez, il y a vraiment un nouveau départ pour toi et votre autre ici. Hein, on va se permettre de réouvrir une nouvelle porte. Mais pour ouvrir une nouvelle porte, il faut en fermer. Il faut fermer l'ancienne, il faut fermer celle du passé, qu'on est bien d'accord. Hein, vous voyez, avec le balai, ici, il faut balayer, balayer, balayer son passé pour justement avoir le pouvoir de réouvrir une nouvelle porte. D'accord? Ici, en tous les cas, je ressens, c'est possible que votre autre va vous annoncer sa vérité, de vous dire que c'est quelqu'un qui veut passer à autre chose, qui veut plus penser au passé, de tout ce qui s'est passé. Voilà, j'ai deux mots, hein. Mot double aussi. Ça peut parler à quelqu'un. Passé, passé. Et puis, il y a peut-être aussi, pour certains, certaines, j'entends bien, des petits mensonges, des trahisons ou un manque de courage pour certains, certains au niveau de leur autre. Et qui ou elle est un peu déçue de ne pas avoir pu passer à l'action, j'entends ici. On vous dit, ne restez pas sur des rancœurs, d'accord?
On reste pas sur des rancœurs. Pardonner, il faut savoir pardonner. Là, en l'occurrence, il revient ou elle revient. On te dit, voilà, j'ai une vérité à te dire. Je pense constamment à toi. Je te désire. J'ai le feu. J'ai la tentation, d'accord, vis-à-vis de toi. Je sais pas si toi, c'est pareil. Regarde, je te propose, on balaye tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant et on repart sur de bonnes bases. On essaie si cela te dit et on voit ce que ça donne. Voilà, tout simplement. Allez, dos de deck. Ici, oh là 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 là, carte 33. Merci, hein, le chiffre de Jésus d'amour. Bénédiction pour poser des limites. Il est important de poser des limites, hein, les amis. Hein. Respectez-vous. Voilà. Respectez-vous. Moi, j'ai du mal encore. Mais voilà, il m'arrive encore des entourloupes. Et je peux vous dire que j'ai pris un peu de recul. Et après le recul, j'ai bien réfléchi. Là, j'ai dit non, mais stop, quoi. Là, ça va trop loin. C'est du n'importe quoi. Aurore, tu t'es fait berner. Voilà. Quand on remet les choses dans le contexte, tu t'es fait berner. Et puis heureusement que j'ai... D'ailleurs, je remercie ma petite Vera. Qui est toujours là pour m'aider et à me dire, bah, non, je me trompe pas non plus. Et voilà. Bref, donc tout ça pour vous dire aussi à vous-même, hein, parce qu'il y en a peut-être qui vous êtes comme moi, posez des limites. Vous êtes des belles personnes. Dès que vous ressentez quelque chose, c'est la première intuition, le premier ressenti qui est le bon. Donc, ne doutez pas de vous. Vous avez une force en vous. Vous êtes une belle personne. Il ne faut que personne vous fasse douter. C'est important. Vous êtes des guerriers et des guerrières. D'accord ? Toujours avec une forme, j'entends, de rose et quelque chose de secret aussi. Il y a peut-être pour certains, certaines aussi, vous avez la capacité, le potentiel des formes de guérison différentes. D'accord ? Alors, qu'est-ce que je prends ici, s'il vous plaît, mes guides? Ouais, ok, merci. Alors, on me dit de prendre le Light Seer Tarot pour avoir un ou plusieurs messages pour en conclusion de cette guidance. D'accord, les amis? Allez, s'il vous plaît, mes guides. Y a-t-il des messages clairs, précis, justes avec le Tarot Seer ou Light Seer Tarot, excusez-moi, pour aller en conclusion de cette guidance, s'il vous plaît. Y a-t-il des messages clairs, précis, justes avec le Light Seer Tarot pour aller en conclusion de cette guidance qui est avec l'oracle des rebelles sacrés et puis l'oracle, l'oracle bénédiction, celtique. Ici, regardez, 3 d'épée. Eh oui, vous avez mal au cœur. Vous êtes peut-être partagé entre deux personnes ici, là. Votre cœur a mal. Et il y en a pour d'autres. Si vous êtes, vous avez qu'une personne en tête, on vous dit tout simplement, votre âme a de plus en plus de mal, est perdue, est en confusion. C'est ce que je vous disais, ou en l'occurrence, votre autre. Et regardez la couleur derrière. C'est assez gris. Pourquoi? Parce que votre âme à le manque de son autre moitié d'âme, en l'occurrence celle de votre autre. On me dit ici, mais pas d'inquiétude, regardez, 10 de coupe. Oh là là, magnifique, 10 de coupe. Donc pour l'instant, vous êtes en confusion, vous êtes déstabilisé, mais en tous les cas, il y aura des belles retrouvailles grâce au monde divin. Voilà, ils vont tout faire pour vous retrouver. Hein. Il y a vraiment quelque chose ici avec le 10 de coupe, des sentiments qui sont profonds, vrais, authentiques. Magnifique. Il y a peut-être aussi la possibilité de faire fonder une famille ou du moins famille recomposée avec les enfants ici. Hein. Peut-être des enfants un petit peu, pas trop en bas âge, mais mi-bas âge, j'entends. Allez, s'il vous plaît. Ici, on a aussi possibilité de réaligner correctement, rééquilibrer aussi ces 7 chakras. Hein, les différentes couleurs des chakras, de pouvoir les réaligner. Ou alors, on vous dit tout simplement qu'ils sont déjà réalignés. Et c'est très bien. Ici, on nous parle le 4 de bâton. Oui, c'est la joie. On va fêter quelque chose ici. Oui, moi, pour moi, c'est comme votre hôte vient à toi. Tu vas être bien, tu vas être heureux, heureuse, tu ne t'y attendais plus. Pourquoi? Parce que dans ta tête, au jour d'aujourd'hui, tu as surtout le mot impossible, improbable, etc. On te dit que là, tu vas être en joie, en fait, en harmonie avec le 4 de bâton, hein, grâce à quelqu'un qui est passé à l'action. Ça va être le feu, ça va être la passion, ça va être les ressentis
de plus en plus grande. Ici, magnifique, nous avons la carte majeure, le monde de toute beauté. Vous allez avoir le monde à vous, c'est-à-dire tout simplement qu'il y a un succès, une réussite et un accomplissement qui arrive à toi avec ton hôte. Il y a une forme d'extase, d'expansion, de joie. Et je vous disais tout à l'heure d'unicité. Toi et lui, tu ne vas faire que un, donc est égal à l'unicité. Pourquoi? Parce que tu vas t'accepter ton soi et lui va accepter son soi. D'accord? Donc là, vraiment magnifique, magnifique. En dos de deck. Je ne sais même plus si j'avais pris ou pas. Et page de pentacle. Regardez, oui, il y a une forme d'équilibre qui va être retrouvée. Vous allez être bien ressourcé aussi en forêt. Des choses aussi à faire. Il y a peut-être aussi une créativité à mettre plus en valeur ici, là. D'accord? Allez, on va prendre vite les petits breloques. Je sais que vous aimez toutes et tous cela. J'ai pour projet de refaire un petit oracle, bien évidemment que pour moi, parce que ça sera que sur papier. Et avec les messages des guides. Voilà, comme j'avais fait mon autre. D'ailleurs, il faudrait que je le reprenne. Ben voilà, les 77, puisqu'il y en a... non, les 70, pardon, puisque mon chiffre préféré est le 7. Je ne sais pas si vous vous rappelez de celui-ci. D'ailleurs, je le prendrai peut-être demain ou dans cette semaine, c'est sûr. Si je l'ai sorti, c'est qu'il y a des messages avec celui-ci. Et du coup, ça sera que sur papier. Et donc, voilà, il faut que je le fasse là pendant le pont. Et c'est ce que je vais faire. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Et au niveau des breloques, des trucs, hop, merci. Allez, on me dit là. Et là, ok, merci. Alors, ici, nous avons... Il y a du meilleur à venir. C'est ce qu'on a vu ici, hein, réussite avec la carte du monde. Hein, il y a réussite, on a dit extase, équilibre, vraiment une joie et de l'harmonie, du bonheur. Donc là, on vous le confirme, il y a vraiment un avenir meilleur pour vous, d'accord, ensemble, ok. Ici, on vous dit c'est quelqu'un qui quittera tout pour vous ou c'est vous-même qui allez tout quitter pour votre autre. Et on nous dit, on nous parle, il y a un commencement pour cet automne. Il y a un commencement pour cet automne, d'accord. Et c'est ce qu'on me dit aussi en canal. Hein. Ici, nous avons la lettre G, début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. Nous avons la lettre X, début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. Et nous avons la lettre L, début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. Regardez ici, là, c'est fou. Nous avons l'éléphant et le bébé éléphant. Il y en a pour certains, certaines, vous allez avoir un enfant avec votre hôte. C'est le désir que vous souhaitez. En tous les cas, ici, il y a une forme de sagesse, de vérité et d'harmonie. Il y a vraiment un amour inconditionnel que votre autre émane pour vous et ou qui va émaner pour vous, c'est une certitude. Il y a le soleil, il y a réussite et il y a ouverture qui sera de plus en plus grande. On nous dit ici, vous êtes peut-être fan de éléphant ou bébé éléphant. Vous avez peut-être un tatouage, vous avez peut-être des figurines ou votre rêve tout simplement c'est d'aller voir des vrais éléphants. De voyager, on me dit. De faire, de vous mettre sur un... Vous savez, les petites promenades. Bon, je suis pas trop pour, mais bon, voilà. Chacun, voilà. Hein. Ici, on nous parle encore du papillon, mais c'est le papillon qui est adulte, on me dit en canal. C'est-à-dire que là, ça arrive vraiment à la fin du fin du fin, c'est-à-dire la transformation arrive à sa fin. Du moins pour l'automne, on me dit en canal. Vous êtes peut-être aussi fan, merci, des papillons, peut-être des tatouages, peut-être... moi, je suis moi-même fan des papillons, peut-être des cadres, des photos, des bijoux, des pendentifs. On me dit des, comment dirais-je, des colliers aussi ou un... Je l'ai plus. Je l'ai plus. C'est pas grave, ça reviendra peut-être pas, voilà. Ici, on nous parle de libellule aussi, de libellule. Libellule, c'est tout ce qui est magique, tout ce qui est mystique, c'est ma croyance à moi. C'est, on vous annonce encore un changement avec la libellule. Peut-être que vous allez voir des libellules à la télé, dans un reportage, ou en vrai, ceux et celles qui vont à la pêche, ou qui se promènent, ou qui font de la randonnée, ça va très vite, désolé. Ah oh. Vous allez avoir des émotions très, très fortes ici, selon la vérité qu'on va vous dire, que votre autre va vous dire, allez, on y va, on fonce.
Attention, soyez en connexion aussi avec les esprits de la nature. Il y a des messages à réceptionner, on me dit là maintenant de suite. Que ce soit les esprits de la nature ou l'esprit des animaux. C'est important de comprendre cela, les amis. Voilà, n'hésitez pas, s'il vous plaît, de liker, partager. Pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. Il faut le dire, les petits pouces, cela m'encourage et ça me fait un petit merci. Et pour ce qui est du partage, tout simplement faire connaître de plus en plus ma chaîne pour aider autrui comme toi que je t'aide à savoir si il serait attiré par mes énergies et aussi de la façon comment je travaille, tout simplement. Merci à vous toutes et tous. En tous les cas, les amis, restez dans une forme de bienveillance, sagesse, paix, mais surtout, hein, respectez-vous. Aimez-vous avant et ensuite autrui. D'accord, c'est très important. Ça fait un moment que je ne l'ai pas dit, mais continuons, même si on a en été, les prières pour tous nos animaux, nos malades, les SDF, faut pas les oublier. C'est pas parce qu'il fait chaud qu'il faut plus s'en occuper. Ils ont soif, ils n'ont pas assez à manger, ou alors un parasol, etc., qui ne prennent pas un coup de chaud. Tout simplement, s'il vous plaît, plus nous serons nombreux, nombreuses à être solidaires les uns envers les autres, et plus nous allons réussir et nous ferons de cette belle Terre Mère Gaïa de toute beauté et d'amour et de lumière positive. Voilà les amis, je vous dis à une prochaine vidéo pour une prochaine guidance. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci infiniment pour toute votre fidélité, confiance, vos demandes aussi au niveau des guidances privées. Merci infiniment parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Donc, un grand, grand merci. Merci du plus profond de mon cœur. Et je vous envoie des énergies positives. Ciao, 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 ciao. Merci à vous tous. Merci.